Salut à tous, c'est Arsène. Aujourd'hui, nouvelle draft à thème. Je compte sur vous pour toujours liker, partager, commenter et bien sûr vous abonner si c'est pas déjà fait. J'attends bien sûr en commentaire tous vos défis pour les prochaines drafts. Même des défis de fou, on sera là. Aujourd'hui, juste avant de partir sur la draft, je voulais vous parler d'opinion marketing. C'est une solution super simple pour se faire de l'argent ou des cartes cadeaux gratuitement. En gros, il y a plein de monde dans la journée, vous avez du temps libre, par exemple dans les transports en commun, dans le taxi, quand t'es en train de faire à manger, il y a plein de moments où t'as du temps. Et pendant ce temps-là, vous pouvez répondre à des enquêtes rémunérées. L'entreprise Pinecone, dit opinion marketing en français, elle vous donne des enquêtes auxquelles vous avez juste à répondre avec votre feedback, avec votre retour. Par rapport aux autres concurrents, c'est uniquement sur invitation et il y a toujours une rémunération à la fin. Et en plus, ils payent plus que les autres sites d'enquête. Une fois que vous êtes inscrit tout simplement avec mon lien qui est juste en dessous, vous avez un mail de confirmation. Et ensuite vous recevez un deuxième mail justement sur l'inscription qui vous dit que vous recevez 3€ pour chaque évaluation de produit complète. Et dès qu'il y a une offre justement, vous recevez un mail avec écrit possibilité de participer à une nouvelle étude. Pas de perte de temps, c'est facile et rapide. Ici par exemple j'ai 2 études qui sont disponibles auxquelles j'aurai une rémunération. Pour vous inscrire c'est uniquement sur invitation, il y aura bien sûr mon lien en description. Du coup je compte sur vous si vous voulez vous faire de l'argent facilement, le lien est en description. Merci beaucoup à Pinecone, à Opinion Marketing d'avoir sponsorisé cette vidéo. On retourne maintenant sur la draft. Draft 100% gaucher, que des joueurs gauchers les amis. On est parti, on part sur un 4-2-2-2. Comme ça les MOC, ça pourra peut-être nous sauver d'un ailier droit qui n'est pas gaucher. Capitaine, gaucher ici, on aura Saka en capitaine, dernier joueur. Parfait, parfait, pas forcément mais bon, ça passe. Allez, BU, un petit joueur gaucher s'il vous plaît. Aucun gaucher, on prend celui qui a le plus en mauvais pied. Et ça va être du Mbolo, 4 mauvais pieds. Du coup, Mbolo qui arrive dans l'équipe. Deuxième BU. Est-ce qu'on a un gaucher? Aspas qui est gaucher. Ou Haaland qui est gaucher également. Aspas ou Haaland, les amis, on va partir sur un Erling Haaland. En plus, ça fait un petit lien Bundesliga. Ça part bien. Ensuite, Berghuis qui est gaucher ici. On va prendre Berghuis de l'Ajax Amsterdam. Ça rentre pas trop pour l'instant, mais c'est pas grave. Deuxième MOC, on a du beau monde ici. Foden qui est gaucher. En plus, une très belle carte de Phil Foden, les amis. Carte briseur de règles. Ça passe. Hyperlink en plus avec Saka. C'est magnifique. MDC. Est-ce qu'on a du gaucher ici? Aucun joueur gaucher. 4 mauvais pieds pour Hojbjerg, pour Rodri et pour Brozovic. On va prendre un petit Rodri. Hyperlink. Comme ça, on est pas mal. Deuxième MDC. Deuxième MDC. Est-ce qu'on a un gaucher? Aucun gaucher encore une fois. 4 mauvais pieds pour Tonali et pour Sangaré. Alors Sangaré, il fera un petit lien avec Berghuis. Est-ce que je le tente? Allez, je le tente. On fait un petit lien néerlandais. On sait jamais si on a un joueur des Pays-Bas en défenseur gauche. Non, on n'a pas ici. On va avoir que des gauchers ici en défenseur gauche. Alors, est-ce qu'on part plus sur une première ligue pour l'instant? Est-ce que je prends Robertson pour assurer? Allez, Robertson, ça part. Défense centrale. Sur qui on part? Gvardiol, et ben voilà, défenseur de Bundesliga, j'aurais dû prendre Schultz du coup. Ou Saïs, Saïs qui rentre également. On va prendre du coup Saïs qui est en première ligue. Et deuxième décès, on aura Umtiti qui est gaucher, je crois, Umtiti, ouais. Umtiti gaucher. Ou Ogbonna. Ogbonna qui rentrerait peut-être un peu mieux dans le collectif. On va prendre Ogbonna. Même si c'est horrible. 56 de vitesse, les gars. On tente quand même. Gardien, est-ce qu'il y a un gaucher? Oui. Bounou. Bounou qui est gaucher, on le prend. Gardien remplaçant. Est-ce qu'on aura un gaucher? Oh lolo, Donnarumma, Totti. Aucun joueur gaucher, les amis. Bon, Donnarumma, Totti ou pas? Un Totti, les gars, ça se refuse pas, non? Donnarumma, il va pas rentrer, les gars. Je vais prendre Schmeichel pour assurer. Maintenant, on va prendre que des gauchers. Biragi ici qui est gaucher. C'est pas ouf, mais on prend. Pau Torres qui est gaucher. Grimaldo également. Schulz également. Alors, on a le choix entre les 3 du milieu de terrain. Les 3 du milieu. Lequel rentrerait le mieux? J'ai limite envie de prendre Schulz. Ouais, on va tenter Schulz. Allez, on prend Schulz. Ensuite, est-ce qu'on a un petit gaucher par ici? On a Kai Havertz au milieu de terrain. MOC, parfait. En plus, carte 90, exceptionnel. On le met ici. Ça fait un lien avec Robertson. On est au top. Si je mets Schulz dans l'axe, puis à gauche. Ou Ogbonna dans l'axe, sinon. Ouais, Ogbonna dans l'axe, c'est peut-être un peu mieux. Comme ça, c'est pas mal. C'est pas évident les gars mais on essaie comme ça. Mossala qui arrive, Mossala ou Oyarzabal en gaucher. Mossala qui va rentrer en attaque, ce sera parfait. Un petit Messi Totti, je dirais pas non. Gaucher Oued. Faut que j'enlève mon Sangaré au milieu de terrain. Alors ici j'ai le droit entre Sarabia, Hector ou McGinn. Hector qui joue en Bundesliga et qui est allemand. Ça fera qu'un lien justement à Havertz.
et McGinn qui joue en première ligue, ça fera un lien. Allez, McGinn. Dembélé, on sait qu'il est droitier-gaucher. Il sait même pas, mon gaucher dans le jeu. Ou Jordi Alba en défenseur gauche. Ou également Bowen en milieu droit qui a une belle carte. Il joue à West Ham. Bowen, on peut le mettre au pire dans l'axe. Ouais, Dembouz qu'on fait rentrer, allez. Je pars sur un Dembouz. Il reste deux cartes dans cette draft des gauchers. On aura du coup un défenseur gauche, Hernandez. Ça doit être gaucher, ouais, gaucher. Sané en gaucher également. Sané ou Hernandez. Et Hernandez que je fais rentrer dans l'axe à la place de Saïs. Comme ça, j'ai une défense rapide au moins. Et dernière carte, on partira sur un Ito, je crois. Ah non, Ito 4 mauvais pieds. Barak. Pour tenir la baraque, les amis, on prend Barak. Premier adversaire, on affronte du CR7 91, du Maldini 94. C'est pas une draft exceptionnelle. On va se focus. Il fait plein de pièges d'urgence en face. Allez, Foden. Pour le premier but, peut-être. Arc-en-ciel sur le gardien. Mendy qui la capte. Je suis gourmand, les gars. On commence avec de la gourmandise un petit peu. Petite passe. Mossala pour le premier but, peut-être. Pied droit, justement. Oh, la barre. Non, on marquera pas pied droit, les gars. Allons, t'es pas hors jeu. Trace. Le géant norvégien. Erling Haaland. La frappe. Ça revient. Mossala du pied droit. Mendy. La tête de Haaland. Oui. Il est trop grand, les gars. 1-0, Erling Haaland. Erling Haaland en profondeur pour Mossala. Le deuxième but, c'est maintenant. Mossala qui va marquer du pied droit, les amis. 2-0 avec Mossala. Haaland. Le bison. Le crochet. Il est passé. Erling Haaland. Le petit crochet. Le petit crochet encore une fois. Encore une fois. Erling Haaland. Oh là 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 là. 3-0 avec le monstre Haaland. Avec Haaland. Sombrero. Reprise. Erling Haaland juste au-dessus, les amis. On tente des top buts. Ça rentre pas pour l'instant. Et le Rashki juste derrière. Je crois qu'il a pas apprécié. Il voulait pas se prendre de top buts. Deuxième tour, on affronte du Thierry Henry, du Marcel Desailly, du Karim Benzema. Ibrahima Konaté en défense. C'est pas une grosse draft, encore une fois. Ça là. Pour Erling Haaland, la reprise. Erling Haaland, le magicien, 1-0. C'est sa draft. Allons, combine. Autre solution là. Oui, Haaland, le crochet. Le nouveau crochet. Haaland, la finition. Magnifique, 2-0 encore une fois. Erling Haaland, les amis. Allez, un deuxième but. Un troisième but maintenant. Haaland, je crois qu'il est hors jeu pour le troisième but. Mais il est... Ah non, pas de hors-jeu. 3-0 Erling Haaland. J'étais persuadé qu'il y avait hors-jeu, les gars, en plus. C'est le pire truc. Wish Mitchell. Non. 3-1, les amis. Retour l'adversaire. Imagine. Ça, là. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel au-dessus de l'espace. Reprise du pied droit. Poteau rentrant. Alors là, les gars, j'ai jamais vu un arc-en-ciel aussi haut. Au moins, ça rentre. Mon chien qui me monte sur le genou, je sais pas ce qu'il fout. Allez, viens jouer avec nous. Oh, tu me lâches un peu la vue, mais c'est pas grave, tranquille. On va marquer avec toi, Sky. Pour Haaland, Haaland, le pied gauche. Bien joué, mon petit chien. C'est ton but. Le 5-1, Erling Haaland. Et le Rush Kit juste derrière. Troisième tour, les amis. Grâce à lui. Troisième tour, là, il y a du lourd en face. Roberto Carlos, Kevin De Bruyne, Totti, Mbappé. Il y avait une très très belle équipe, je crois qu'il y avait Kanté également. Ça va être chaud. Mbappé. Pour le 1-0, on commence mal. Le bison Haaland, il est passé. Il la reprend Haaland. La passe pour Salah. Salah pied gauche. Salah. Non, son Yashin, c'est trop. Ça revient. Oh, le cadeau pour Phil Foden. Un partout. Allez, Haaland, c'est ton moment cette fois. Haaland pour Salah. Salah, le pied droit. Mo Salah pour le 2-1. Come on. Il veut se barrer. Le pauvre. Allez, fais ta vie. Allez, le troisième but maintenant. Le troisième juste derrière avec Madjin, les gars. Mon joueur le plus nul de la draft, 78 de général. Le 3-1, on continue. On continue pas, finalement. Le tirage kit juste derrière. La finale de draft, on affronte du Ronaldinho, du Gabriel Jesus, du Pedri 93, Ferran Torres, De Bruyne Totti. Énorme équipe en face, les gars. Il faut se focus. Entrée. Entrée. Allez, on passe. Haaland, pied gauche, Erling, pied droit. La chance, les gars, 1-0, Erling Haaland. La chance, ça se mérite parfois. J'ai pas trop de solutions, en vrai. C'est tous au même endroit, mes joueurs. On avance en passe, tranquillement. Allez, Foden, drag back, ça revient sur toi.
sortir le 2-0 avec Foden. Un peu dégueu encore une fois les gars, mais en finale on prend tous les buts. Hein. La construction était sympa par contre. Et large plus rapide. Oui, la passe pour Haaland. Pour le 3-0, c'est bon, finito pipo. Le 4ème rush kit les amis, on est prêts ou pas? Le petit cœur. Bye bye, ciao. Le 4ème rush kit qui fait plaisir. 4 rush kits en 4 matchs avec une draft pas forcément ouf les amis. Et pourtant on a bien géré. C'est une draft perfect ça les gars. Bon, le seul petit bémol c'est qu'on a pris 2 buts. Sinon c'est presque une draft perfect. 4 matchs, 4 rush kits et petit pack. Qu'est-ce qu'on a? 2 packs or rares, 1 pack crème or. On s'ouvre ça. Alors 2 packs or rares, ils sont là, c'est parti. Premier pack or rare, marquer un but tiki-taka ou full dribble? Ah, oh, je préfère full dribble quand même moi. Dans FIFA, j'aime trop les dribbles. On a un Benzema, les gars. Benzema 89 qui arrive dans le premier pack. Pas mal, la draft largement remboursée. Benzema avec Marco Reus. Ouf. Benzema, ça vaut au moins 35K. Marco Reus, ça vaut un petit 10K, les gars. Bah écoutez, on est bien. Pack premium or maintenant, les gars. Deuxième pack, qu'est-ce qu'on a? Deuxième pack, pas d'animation. AT. On aura un Caicedo. Pack or rare, c'est parti. On termine, imaginez un deuxième walkout peut-être? Non, j'en demande un petit peu trop. Dernier pack, du coup, on aura un milieu central polonais et un Zielinski de Naples. Franchement, Benzema, ça nous a mis bien. Oh, un petit Dasa qui vaut 10 000. Magnifique. Ça vaut peut-être plus, non? On a eu un petit joueur à 16 000, plus un Karim Benzema qui vaut 35 000 et un Marco Reus.